J'ai de l'azote liquide, moins 196 degrés, centigrades. J'ai une balle. Et là, j'ai un petit ballon baudruche avec de l'hélium dedans. Je vais verser l'azote liquide sur le ballon et je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, voilà la question, cher cobaye. Que va-t-il arriver au ballon gonflé à l'hélium quand on versera de l'azote liquide dessus? Non, il monte. Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il ne volera plus? Ou bien est-ce qu'il va soulever le support? Non, dis donc. Difficile, hein, d'avoir une idée. Les oranges, dépêchez-vous de répondre. Récrac, hein. Alors, vous n'avez pas donné la même réponse, je vais même vous dire, vous avez chacun donné une réponse différente. Ah. Bah, c'est pas grave, ça veut dire qu'automatiquement, l'un de vous a la bonne réponse. Reste à savoir lequel, alors on va commencer par les roses. Vous pensez que le ballon va soulever le support, pourquoi ouais. Donc, Lisa? Je sais pas, c'est quand... Les bleus, vous avez répondu que le ballon allait exploser, alors pourquoi? Le contact avec le froid entre le chaud, bah ça va faire exploser le ballon. Alors que les oranges sont pas d'accord, eux ils pensent que le ballon ne volera plus. Parce que, en fait, comme l'azote liquide est froid, ça va refroidir l'air, l'hélium à l'intérieur et le ballon va, ne volera plus et voilà. il va baisser. Il va descendre. Alors là, moi je ne suis pas scientifique, je vais me retourner vers David et nous allons tous avoir la réponse oui. En live. David, je vais le faire. Démonstration. Attention, regardez tous. Martha, Chloé, on regarde. Lisa est très concentrée, Lisa elle y croit. Eh bien, manifestement, quand on le verse, il ne vole plus. Bonne réponse, Léon. Alors, David, comment ça se fait? Oui, donc, pourquoi ça flotte déjà? C'est parce que la densité du ballon, donc le caoutchouc plus l'hélium. C'est plus léger que, c'est plus léger que l'air, n'est-ce pas? Donc, ça flotte. Mais quand je verse l'azote là-dessous, l'hélium se contracte. Donc, ça devient plus dense que l'air. Le total, le ballon plus l'hélium. Donc ça ne volera plus, sauf qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que le ballon, il est devenu plus chaud, donc il a repris sa forme originale. Et l'hélium aussi, ça commence à récupérer. Il y a toujours un peu d'azote sur le fond. Donc on a l'impression que ça commence à récupérer, non? Oui. À reprendre sa taille originale. On n'est pas sûr. D'ailleurs, j'ai envie d'enlever l'azote, si je peux. Attention, ne te brûle pas parce que c'est très froid. Ok, j'enlève l'azote. J'ai une paire de ciseaux ici. Oui. Je vais couper le fil qui attache le ballon au support. Je pense qu'il est sympa.